je viens te rendre les clés de nos plus belles nuits. Te rendre mon amour passé ou dépassé. C'est ce qu'on en croit. C'est ce qu'on dit. Les gens pressés. Puisque dans l'air du temps, on n'aime plus vraiment. Puisque c'est l'air. N'en ai pas de doute. Reprendre ce que tu m'as donné. J'en ai gardé. Plus qu'il n'en faut. Plus qu'on en trouve. Trop chercher. Puisque dans l'air du temps, on n'aime plus vraiment. Puisque c'est l'air du vide et que les envies sur les sentiments. Puisque c'est l'air du temps, on n'aime plus souvent. Où sont les autres? Où sont les autres lettres qu'elle nous a envoyées depuis 2 ans? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je viens de tomber nez à nez avec le facteur qui m'a donné en main propre une lettre de tante Margaret, nous annonçant la mort de maman et son étonnement devant notre silence et notre ingratitude pendant toutes ces années. Tu savais qu'elle avait besoin de nous une dernière fois, qu'elle était si seule. Si loin. Elle avait besoin de toi, pas de moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai toujours été transparente. Même quand elle nous prenait dans ses bras, ses yeux se posaient toujours sur toi. Transparente. Comme papa l'a toujours été. Tiens. Tiens, voilà ces mots pour toi. Voilà ces yeux pour toi. La voilà tout entière pour toi. Pas étonnant. Pas étonnant qu'aujourd'hui je me sente incapable de donner quoi que ce soit, puisqu'on m'a toujours privé de l'essentiel. Ça n'est pas ma faute. Ne me touche pas. Même si aujourd'hui, je ne te vois que comme une femme, tu restes ma petite sœur. Et la personne que j'aime le plus au monde. Voilà. C'est ce que j'attendais. Ce qui m'a rendue presque folle pendant toutes ces années.
Tu me pardonnes? J'ai rien à te pardonner. Mais est-ce que tu me comprends un petit peu? Oui. Un jour, maman était en retard pour venir nous chercher à la sortie de l'école. Et ces quelques minutes m'ont semblé une éternité. Celle qu'on va devoir affronter maintenant, toi et moi. Tu crois que le temps peut guérir ces choses-là? Je ne sais pas, mais il nous faudra du temps. Le temps qu'il faut pour grandir. Je pensais que j'ai perdu mon GPS. Non, non, ça va. J'ai peur. Non, mais là, toujours le GPS. Là, tu l'as, tu vois, là, tu l'as. Ouais, mais est-ce que tout à l'heure, je l'ai eu quand même, malgré quelques imperfections? Ben, c'est-à-dire, moi, j'étais très handicapé par la chanson. Comme j'ai une oreille assez, sûr, assez bonne, c'est vrai comme que c'était assez bon. Faux, ça me fout un peu le GPS en l'air, mais tu n'y étais pas pour grand-chose, à mon humble avis. On ne le perd pas, de toute façon. Toi, tu ne l'as pas perdu. C'est quelque chose qui se perd. Non, non, ça allait, Gamel, pour la. Oui, c'était très bien. C'est vrai? Tu vas devenir un grand danseur. Ouais. Non, c'est beau.